Et bonjour à tous, bienvenue sur Tegaming. Je poursuis mon marathon Star Wars parce que je veux voir la fin. Ça fait des mois que j'ai le jeu maintenant, je veux voir la fin de ce jeu. Donc c'était la mission de cette journée et des deux dernières vidéos, donc la troisième aujourd'hui, de finir le jeu. Je marathonise le jeu là, j'en ai rien à faire. Donc je traîne pas, c'est parti, plus de puissance, plus de côté obscur. Ah non, c'est l'inverse, plus de côté lumineux, et puis on se lance. Alors on reprend exactement là où on en a été au dernier épisode. J'avais terminé devant Mademoiselle Mérine, si je me trompe pas, un truc dans le genre. Qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse? Ah oui, il fallait qu'on se rende... Vous imaginez que j'ai arrêté de jouer il y a 10 minutes et j'ai déjà oublié ce qu'il fallait que je fasse quand même. Il fallait qu'on se rende pour aller affronter l'inquisitrice. Mais avant toute chose, oh, il y a un morceau pété de mon ancien sabre. Je change de couleur. Cyan, j'aime bien Cyan. Magnus, ouais, c'était mignon, mais non, c'est pas ça qui m'intéresse, moi, c'est le... C'est pas cette partie-là qui me dérange, mais je vais quand même la changer. On va prendre ça, parce que ça ressemble à rien. C'est cette partie-là, là, c'est pas très joli, hein, faut dire ce qui est. Celle-ci, on va tout mettre en tissu. Voilà. Hop. Oh, non, c'était pas... Si, c'est ça. Et... Pour terminer... Oh, rouge! On n'a peut-être pas de rouge sur notre lame, mais on l'aura sur notre manche. Voilà. Si, je comprends pas pourquoi ils ont pas mis cette couleur-là. Si, peut-être parce que pour eux, ça montre que c'est le côté obscur, etc. Mais je comprends pas pourquoi ils l'ont pas mise. C'est très bizarre. Est-ce qu'on avait rajouté des choses depuis? Tu sais pas. Il n'y avait pas un truc entre les deux là? Ou peut-être pas, c'est peut-être moi qui rêve. Hein. On a eu toutes les plantes en fait. Il en manque plus. Super. Alors, qu'est-ce que t'as à nous dire toi? Les Jedi devraient moins parler et agir davantage. Ok, t'avais juste à me dire, merci. Je m'en vais. Va te faire foutre. C'est tout. Va te faire foutre. Vous avez dû venir ici souvent avec Cordova. Non. En réalité, je n'étais jamais venue. Mais il m'a parlé de ce lieu. J'étais la seule à connaître son emplacement. Il vous faisait confiance? Bah heureusement qu'on est avec nous. J'imagine que oui. Il espérait que je le suivrais et finirais ce qu'il a commencé. Pourvu qu'il ait vu juste. BD1 le pense. C'est un droïde intelligent. Un instant. D'accord, en fait, si je me barre en pleine discussion, c'est un instant. Oh, oh, j'aime bien ça. Avec les vaisseaux et tout, les destroyers juste à côté. Je pense que ça sera la dernière zone. Donc, j'aurai pas vidé toutes les planètes, mais tant pis. Hop, te trompe pas. Là, c'est plus logique. Ça t'embête que le droïde ait choisi le gamin plutôt que toi? Ce n'était pas le choix du droïde. C'est que j'étais meilleur que toi. C'était le mien. Hein, quoi? Comment ça? Je pense que j'étais censé trouver BD1. Cordova savait que je me lancerais à sa recherche. Mais ce n'était pas de moi qu'il avait besoin. Pourquoi? Il lui fallait une personne qui soit liée à la Force. Je comptais sur BD1 pour détecter sa puissance et son courage. D'accord. Et c'est exactement ce qu'il a fait. C'est trop mignon. Vraiment mignon. Ce robot qui a une importance capitale dans l'histoire quand même. Attache-toi. Et avec toi, j'ai même pas modifié hein, mon petit BD. Oh, c'est classe. On y est, les mecs, on y est. Hein. Bon. Face à des défenses pareilles, nos stratégies de routine seront trop justes. Je connais un moyen. Que comptes-tu faire? Un rituel pour cacher votre vaisseau, si je peux. Un rituel? Elle a du talent. Il y a un petit problème au niveau des voix, mais c'est pas grave. Quoi? Pas des mouvements de bouche. Une minute, on se calme. Qu'est-ce que ça implique, ce rituel? Un sacrifice. L'un de tes bras devrait me suffire. C'est une blague. Ne sois pas si sérieux. Rejoins-moi à l'avant. C'est la première scène où il y a un tel décalage entre les la voix et les mouvements. C'est parti. Mes sœurs, ma mère, donnez-moi votre force. Donnez-moi un marteau. Mes sœurs, ma mère,
Donnez-moi votre pouvoir. Waouh. Ah vache, c'est Harry Potter le truc, hein. On a été digitalisé. Quelle face ça fonctionne. Quelles sont nos chances selon toi? Je mise sur toi, petit gars. Oh, merci. Allons-y, BD. Une fois à l'intérieur, je pourrai m'attaquer à leur défense. Ainsi que saboter leur capteur pour que le Mantis puisse nous extraire. Toi, tu trouves l'holocron. On reste pas ensemble? Non. Je sens l'appel. La vie de chacun des enfants sur cette liste est en jeu. Quoi qu'il arrive là-bas et quoi que tu puisses voir, ne t'occupe pas de moi, d'accord? Prends l'holocron et... C'est dingue le décalage buccal, là. C'est énorme, mais tout le jeu en fait a un décalage de son mais violent. C'est super beau. Il y a l'ambiance. Hein. Ah, il y a un gros décalage son image. Je sais pas si ça se verra ou est-ce que c'est que moi là actuellement. J'espère que ça se verra. Je sais pas si ça se verra là au fur. Dans le grand final, on va dire. Une fois montage fait, mais c'est pas terrible. Numéro 5, j'étais encore dans l'histoire du son. Alors, attendez, est-ce qu'on a raté quelque chose? Je regarde direct. Qu'est-ce que ça donne si je sors ici? Je peux pas aller plus haut, d'accord. Je ne peux pas aller plus haut. C'est très joli en tout cas ici. On voit qu'elle adore le milieu marin. Ah ouais. D'accord, en fait la pointe qu'on avait au sommet c'était juste la partie émergée de l'iceberg quoi. Ok, ok, ok. Ah, et si tu veux t'enfuir de là-dedans... Accroche-toi quoi, pour t'enfuir. Hein. Mais c'est pas ça qu'on garde. La musique toujours aussi bien. Rien à redire. Je vais voir jusqu'à où je peux descendre en fait. Hein. Donc, je me lance à l'assaut des profondeurs. Je peux pas aller plus loin que ça. Mur invisible. Des poissons. Bah, qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis bloqué. Oula. Ah, il y a une vitre. Putain, je la voyais même pas. Regardez. C'est quoi ce mur invisible moche? Bon, je pense qu'ils veulent que je rentre par là. Il y a une grosse lumière, un gros sas. Mais moche le mur invisible, hein. Pas très joli. Ça me paraît dingue qu'il n'y a rien à trouver alors qu'il y a un si grand espace, quoi. Mur invisible ou pas? Waouh. Voilà, on y est là. On y est. Mur invisible. Ok, bon bah je crois qu'on a tout J'ai tout regardé apparemment et il n'y a rien. Non, non, non. Alors là, non, je dis non une fois de plus. Je dis non. Il y a un rocher, il existe ce rocher. Oh putain. Oh. Ninja.
Ninja, regardez, on peut voir tout ce qu'il y a à l'intérieur, on peut voir l'envers du décor. Ninja. Et hop les, j'apparais. Quand tu t'y attends le moins, j'apparais. Allez, voilà, parfait. Oh là là. Je sais, c'est pas grand chose, mais ça pète l'immersion, ce genre de petits détails. Attendez, oh là là. Non, non, monte pas, on n'y est pas encore. Je vais voir les deux côtés d'abord. Il n'y a rien, ok, on peut se... Maintenant tu peux monter, voilà. Ah! Heureusement que j'ai une couleur de cheveux qui se voit pas du tout. Messieurs! Pour information, je suis devenu un Jedi entre temps, donc il se peut que je sois quelque peu puissant ou pas. Voilà, genre ça, vous voyez, hein, c'est mes nouveaux pouvoirs. C'est mal sous-estimé, mes nouveaux pouvoirs. Cal, tu es là? Ouais, content de vous entendre, Zeré. J'ai localisé l'Holocron. Je te communique sa position. Bien sûr, on se met en route. Faut pas me sous-estimer désormais. Pardon. Oh. Pirate. Tu peux le faire, BD. Oh, bonjour. Je m'attendais pas à te voir. Oh, je l'ai senti passer. Hein. Moi, j'ai changé de sabre d'un coup. J'ai changé de sabre. Tiens. Hop. Hop les, pardon. J'avoue que j'aimerais bien le garder plus longtemps possible. J'aimerais bien le garder un peu plus longtemps. Voilà. À vous, messieurs. Place à l'action. Je te trouvais, intrus. Tu peux rien contre nous. Tu disais. Oui, bonjour. Alors ça s'est très 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 bien passé, hein. Je sais même pas si je peux l'avoir. Ça se passe très 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 bien, je... Par contre, où est mon pote, là? Il est resté où? Ah bah t'es là. Faut venir, mon grand. Il regarde les poissons, il vient de prendre conscience de la vie. Ah non, il est juste bugué, en fait, hein. Ah non, il est pas bugué. Il bouge vite. Vite, finis ses dents. Stop, trooper à terre. Boum. Hop les. Voilà, c'est ça qu'on veut voir comme combat, nous. Alors j'ai paré tous ses coups, mais il m'a tout mis, hein. J'ai besoin d'aide. J'en ai assez. Oh, il se prend des patates. Mais comment tu te fais humilier, mec? Je perds mon temps avec toi. Oh, l'humiliation était totale. Attaquez l'ennemi. Allez, encore. Allez, t'es presque. Boum, boum. Vas-y, encore un petit peu. Voilà, regardez. Oh non, il a tué mon pote. Je suis pas content. Hop là. Ah là là, je pensais taper celui-là en blanc. Je dirais que tu as du mal. Tu passeras jamais cet avant-poste. Voilà, c'est facile. Là, je suis déçu, il a tué mon pote, lui, là. Je voulais qu'il se fasse tuer par lui. Bon, mais je continue à dire qu'il y a plein de fois où je suis sur R1 tout le long et d'un coup, je me fais défoncer. Il y en a qui... Non, mais, mec, t'es pas caché, là. Quand ton casque dépasse, c'est que t'es pas caché. On va lui donner une bonne leçon. Oh, c'est classe. À ton tour. Ouais, c'est quand même assez costaud. Hein. Voilà, ça c'est cadeau. Boum! Ça se passe tellement bien. Attends, hop là.
Alors, il y en a deux. Ok, est-ce que tu... Non, ça vient pas. Bah, go. Ok. Hop. Hop. Revenez par là maintenant. Voilà. À nous deux maintenant. Ouais, ça s'appelle mon pouvoir. Oh, bâton contre bâton, j'avais pas fait gaffe. Bon. Non. À mon tour. Hors de mon chemin, misérable. Oh oui. C'est ici que l'Empire a créé ses inquisiteurs. Ils y ont torturé Serré et converti Trilla au côté obscur. Il est temps de détruire ça, BD1. Bah donc, sympa le début. Il y avait de l'ambiance directe. Ça annonce la couleur, à mon avis. Hein. Oh là là. Qu'est-ce que t'as débranché, toi? On a trouvé le Jedi. Non, non, mais c'est pas ça. Ah bah, apparemment, je l'ai tué. Attends, excuse-moi, mais là, j'en ai... Oh joli! Il a réussi à me placer un coup. Bon allez, boum 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 boum. Oh ces patates qui me met à chaque fois. Piètre résistance, tu en foutrais moi de la piètre résistance, tiens, hop, changement de sabre. Ah, il faut vraiment garder de la distance. Hop, et ça s'est fait. Alors, il a débranché le truc d'ici. Allez, en route. Tu peux venir, s'il te plaît? Voilà. Non. Quel nul. Ce truc a besoin de courant. Oui, bah ça, j'avais compris. Hein. C'est juste que le poids est là-bas maintenant. Encore un petit peu. Voilà. J'attendais comme un débile qu'il se passe quelque chose. T'as vu ça, BD? Bon, il s'est passé un truc. Allons voir ça. Je confirme, on a tout fait péter. Allez. J'ai désactivé les boucliers à l'extérieur de la forteresse. De la wow. Base et nage jusqu'au donjon central. Ça c'est un sacré plan. On se retrouve là-bas. Il y avait un bouton autodestruction quoi sur le truc. Bon, on y va, BD. Ils ont pas voulu m'affronter ça. Regarde ça le résultat. Cette section a l'air fragile. Ouais, j'ai pas confiance. Bah, pourquoi j'ai touché alors que j'étais dans l'eau? Okay. Il n'y a rien. Ah mince. Je suis obligé de passer par là en fait. Bon bah viens. Bah ouais. Accroche-toi. Au moins s'il restait des... Pourquoi tu fais demi-tour? S'il restait des Stormtroopers, ils sont morts. Oh, je peux aller par là ou pas? Bien sûr que je le peux. Attendez, attendez, hop. Ah, je peux plus raider mon plan. Est-ce que c'était par là qu'il fallait que j'aille? Est-ce qu'il fallait que j'esquive tout? Que ça mène où, là, après? Attendez, j'ai envie de savoir où ça mène. Nulle part, ok. Au moins, pas de regret. On descend, on descend. Descend, j'ai dit. Est-ce qu'on a raté quelque chose? Ah, ça est bizarre d'avoir des murs invisibles. Hein. Même sur la profondeur. Surtout pour moi qui aime bien tout explorer, j'ai l'impression que je vais rater des trucs alors que finalement on n'y a même pas accès quoi.
J'aurais bien aimé voir un poste de commandement sous l'eau comme ça. Qu'est-ce que t'as vu? Section submergée. Ah, j'ai pas le 1. C'est que j'ai dû rater quelque chose. Boum, ça c'était... pour le plaisir de le percuter. Y'a rien par là. Il n'y a rien. Oh les pauvres. Tous morts bêtement quoi. C'est par là qu'il faut aller. Par là y'a rien. Ils sont tellement morts bêtement. C'est tentant, hein. J'adore son cri. Oh, la musique est tellement dark. On se croirait sur la fin de Star Wars 3, quoi. Ah. Mais j'ai perdu le biu biu biu. Tant pis. Scan quoi là? Joli. Numéro 4. Scan BD. Alors vous le voyez pas, mais apparemment ici il y a l'astro droïde. Mais il est. Normalement il est là, hein, je vous jure. Hein. C'est pas un bug. C'est pas un peu bête de tirer sur ton pote? Ah, il m'a empêché, oui. J'arrive. Continue à tirer. Ok. C'est comme le dojo du temple Jedi. Mais malsain. Il s'entraîne bien. Hein. Est-ce que c'est une mise à mort s'il y en a un qui perd ou pas? Alors, on va ouvrir la porte et il va falloir qu'on affronte les deux en même temps. Ok, c'est jouable. C'est jouable. Par ici, BD. Quel est l'intérêt de faire ça? À moins de tout simplement mettre, de le faire tomber dans le vide en fait. Ce qui peut être une très bonne idée. Qu'est-ce que t'as vu? Ah, je vois, il part tout seul. Allez, ouvre-moi cette porte. Verrouillé longtemps. Donc, faut y aller. Débile de venir là, toi. Regardez-moi, c'est débile. Viens là. Oh, joli! Attends, on recommence. Et voilà! Alors, c'était censé être un boss, c'est possible. Numéro 3. Tu parles de qui? Ah là, d'accord. Je vous avais pas vu, autant pour moi. On peut continuer comme ça encore longtemps. Oh là là. T'as de la chance, j'ai plus de force, sinon je l'aurais tiré. Oh joli. Et t'es sûr d'être en vie? Oh il est là, ils sont tous là. Là. Là-bas. Le pauvre droïde qui est au milieu de tout ça. On va essayer de le laisser survivre. Je vais essayer de le faire survivre. Restez en mouvement.
impossible de l'atteindre. Je suis le seul à le combattre. Allez, allez, un petit peu. Parfait. Je me charge de lui. Voilà. À nous deux maintenant. Est-ce qu'il va tous se tuer ? Il y a des chances que oui. Voilà, vous avez vu, le deuxième coup est très très lent en fait à passer en fait. Donc c'est pas très utile. Il n'arrête pas d'esquiver. Bien joué. Pourquoi il est pas mort lui? Il veut pas mourir. Il ne veut pas mourir. Et maintenant il est mort. Ah, quand même, il en reste au moins. Oula, d'accord. Ah, j'ai pas eu le temps de l'esquive. Oh, c'est patate qui me met. Eh bah, il m'a sauvé. Je sais pas qui je tape. Allez, barre-toi. Voilà. Voilà. Mais il a rien du tout le Jedi. Voilà, c'est bon, on va pouvoir avoir un vrai combat. Regardez ça, ça c'est un combat qui est classe. Ah par contre là il prend des dégâts mon personnage. Ah non. On le sauvera. Il est sauf. Oh non! On va tous se les faire. On continue le combat. Oh par contre ça va être... Ça va se compliquer un petit peu tout ça. On va se débarrasser de cela. Ensuite. Faut être intelligent. Oh la vache. Hop là. Je suis bloqué. Appelez, ça passe. On va la jouer intelligemment. Regardez, il se fait battre par un droïde, quoi. Non, je voulais que tu finisses celui-là, moi. On revient. Ce combat, ils se font défoncer par... Appelez. Voilà, maintenant on est bon. Allez. Il aime la douleur, et bah tu vas aimer la douleur. C'est pratique, en fait le robot il est vraiment là pour nous aider au départ. Regardez. Il est vraiment là pour ça en fait, il faut vraiment le mettre tout de suite dans notre camp. Oh sympa ton attaque. Voilà, il a été beaucoup trop utile pour qu'on le tue. Et on a réussi à les sauver, regardez-les. Oh non, il est mort. Voyons ce qu'il y a derrière. Oh, je suis dégoûté, je pensais qu'il était vivant. Ah, je suis dégoûté, je pensais avoir réussi à le sauver. Ils reviennent pas tous, j'espère, si je fais ça. Je me suis trop fait chier à tous les tuer. Non, ça a l'air d'être bon. Bon bah je suis déçu, je pensais vraiment avoir réussi à le sauver. Toujours efficace. Encore ? Ouais d'accord. J'ai vraiment eu du bol. Voilà. Comment ça il a réussi à me toucher? Oh, c'était pas ce que je voulais, mais ça passe. Alors. Il faut se placer intelligemment. Voilà. Juste intelligemment et ça passera. Voilà. Suivant. C'est pas des zones compliquées ce genre de choses. Faut juste bien se placer. On a affaire à des ennemis qui sont pas très intelligents, donc ça passe. Voilà.
Et le dernier. C'était le dernier. Cal, je suis tout prêt, mais un sas blindé me barre la route. J'essaie de trouver une console. Je crois que c'est le chemin à prendre. Tout est bloqué. Je sais pas où nous sommes. Mais c'est pas par là, c'est pas par là. Oh là, oh là, oh là, regardez, ah c'est beau. C'est pas bugué, non non, c'est volontaire de la part des créateurs. C'est des prisons, je suppose, ça. Bah alors vas-y, appuie. Oh là là. Putain, elle maîtrise. On a énormément à apprendre d'elle. Finalement, on va la garder dans l'équipe. C'était impressionnant. On la garde dans l'équipe, c'est officiel. Ne t'inquiète pas pour moi, nous avons une mission. Oh madame quoi, madame. De détruire cet endroit. Il nous enfermait dans cette prison. Je regrette qu'il n'y ait plus personne à sauver. Ah bah désolé, je te confirme, ils sont tous morts. Moi aussi. Mais nous n'avions pas vraiment le choix. Et c'est encore buggé, hein, regardez à droite. Il bande dur d'un coup là. Oui, il est grand temps d'en finir. Aucun signe de Trilla ? Non, pas encore. Heureusement, ça a disparu. Le Locron est conservé dans la salle d'interrogatoire. C'est le lieu le plus sécurisé de la forteresse. Je t'ouvre la voie vers l'Holocron. Trouve l'Holocron. Je m'occupe des renforts et je te rejoins dès que possible. Ça marche. Elle m'a ouvert quoi déjà ? Est-ce que j'étais... Ah, là-bas. Qu'est-ce que t'as vu ? Qu'est-ce que t'as trouvé ? Des ossements. Porte laser. Numéro 1. Okay. Bien joué. Voilà le tout. Fallait quand même le trouver celui-ci, hein. Il était bien planqué. Hein. Il était sacrément bien planqué. Je fais le tour, hein, pour voir si BD il a quelque chose à nous montrer. Ou est-ce qu'on a tout vu? Voilà, à chaque fois je vais me faire avoir. Oui, je sais que c'est pas la porte qui s'est ouverte, mais je veux voir si celle-ci ça l'a pas débloqué aussi. Pas du tout. Au pire, je pourrais faire ça en fait. Hein. C'est sûr que ça aiderait vachement plus. Ils sont quand même gentils de nous mettre contre les inquisiteurs, enfin contre les purge troopers. C'est notre porte de sortie. A chaque fois ils nous mettent des trucs pour nous aider. Y'a rien à trouver ici, faites voir. Ah mais en fait y'a même pas de coffre à trouver, je me fais chier mais y'a rien à trouver. Oh là là, je suis trop nul. Gardez votre arme à portée, parce qu'à mon avis, cette zone paraît beaucoup trop grande pour qu'il ne se passe rien. On se rapproche. Hé, hey, BD1. Merci d'être mon ami. Merci d'être un robot. Numéro 3. Vous les voyez les deux grosses tourelles là ? Vous croyez que j'arrive à sauter là-bas? Non, j'ai pas tenté. Sauvegardons, je sens que ça va être important. Je pense que ça va être très important. C'était combien déjà l'arbre de compétences? Combien il nous fallait? 2. Alors ici, il nous en faut 2. Ici, 2. Encore 2. Oh la vache, il nous en faut beaucoup. 6 et 8. Ah et bah on a pas, on finira pas le jeu avec tout, hein, c'est sûr. Il aurait fallu que je farme beaucoup plus. Bah tirez-vous dessus. Oula, débile de ma part. Ils les ont brisés. Chambre d'interrogatoire numéro 4. Bye. Et converti au côté obscur. Tu peux t'en charger, BD?
très très beau cette pièce. J'étais attendu ici, je suis sûr. Alors, c'est très très beau. Mais c'est pas du tout, on va dire, comment on pourrait dire ça, approprié ou économiquement parlant, hein, c'est beaucoup de vide. On aurait pu faire tout aussi bien dans un studio ou dans une pièce. Oh, j'adore ce personnage. Le personnage est trop cool. Ah, oh, j'adore. C'était pour tester. Voilà, ça c'est juste pour lui faire mal. Waouh. Tu vas te calmer tout de suite, ma grande, hein. Moi aussi j'ai un double sabre. Et moi aussi je peux m'en servir. Je te le dis. Tu ne peux pas fuir. Je vais me faire un plaisir de te tuer. Hop. Ah, elle est quand même plus sympa. Cède à la douleur. C'est la fin. Oh la vache, elle est très forte. Elle est clairement actuellement bien plus forte que moi. Aïe aïe aïe. Oh là là! Un autre steam. Je vous propose des petites attaques comme ça histoire de la déstabiliser. Hop. Ça ne change strictement rien. Oh la vache! Ça lui enlève rien du tout en attaque dans son équilibre personnel. C'est très classe, on aurait dit que c'était fait exprès ce que j'ai fait. Eh oh! En fait, j'avais oublié ce petit détail. Voilà, celui-là par exemple. J'avais oublié que je pouvais faire ça. Et que c'était assez efficace. Bon, après. J'avais oublié ce petit détail que je pouvais lui faire très très mal en faisant ça. Voilà, hop. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi elle est restée. Mon personnage est resté en état de ralenti. Mais sans aucune raison, parce que j'avais lâché le bouton. Hein. Tu tomberas. Oh, c'était très classe. J'enlève plus de vite tout à l'heure, en fait. Hein. Je sais tout ce que tu as traversé. Tu as connu une immense souffrance. Oui, la souffrance. Tu peux te délivrer de cette douleur. Délivrer. Je suis heureux. C'est cette douleur qui me rend plus forte. Je savais que tu reviendrais pour ça. Pas de merci. Tu ne sortiras jamais de cet endroit vivant. On verra. Arrête de bouger. Et toi, arrête de faire n'importe quoi. Saute! Ah, j'ai pas le temps de sauter! Viens ici, toi! Ouh, aïe aïe! Je vois plus où est-ce qu'elle est! Non, c'est une mauvaise idée ça, ce que tu es en train de faire! Oh la vache, la vie qu'elle m'enlève! Allez, lâche pas! Tiens la barre! Lâche rien! Bien! Oh, dans ta gueule! Bon, normalement, t'as plus de tête! Oh la vache, elle a une portée par contre! Ouh, c'est mal barré cette histoire! Hey, par ici.
Aïe aïe aïe. Oh mais non, je l'avais ralenti exprès. Bon allez. Apparemment ils veulent que je fasse ça. Voilà. Je suis dégoûté parce que tout à l'heure je l'avais ralenti et ça ne lui a rien fait. Envoie un steam. Saute putain. Ah je veux esquiver. Quel nul. Saute. Ah, pourquoi il saute pas putain. A chaque fois j'appuie quand même à fond sur sauter mais non. Bah, même quand je la ralentis, elle est plus rapide que moi quoi. Aïe aïe, ça fait tellement mal. Allez, je veux y croire. Je protège. Ça, tu vas le regretter. Et toi, tu vas mourir, oui, hein. J'y croyais pas, je vous l'avoue. J'y croyais pas du tout. Cal. Coupe-lui la tête. J'ai l'holocron. Maman. C'est à moi de le faire. Oui. Tu dois détruire ce que tu as créé. C'est fini, Trilla. Tu sais que rien n'est jamais vraiment ce combat-là est fini. Je connais cette noirceur qui te dévore de l'intérieur. Mais chaque jour, tu as le choix entre la nourrir et l'affronter. C'est trop tard, Serré. Non, c'est faux. Je sais que les choix que j'ai faits ont entièrement condamné ton avenir. Oh, le scénario. Je t'ai abandonné, Trilla. Je t'ai abandonné. Et j'en suis vraiment désolée. Ça sent la trahison. J'ai eu tellement de haine envers toi. Oh ! Ce son. Moi, j'ai des frissons. Oh. Il aura la tue à distance. Papa est dans la place. Oh là là, j'en tremble. Oh la vache. Il est tellement imposant. Oui, mon maître. Vous m'avez déçu, inquisitrice. Oh, c'est génial. Vengez les nôtres. Que tu te rendes. Oh, il est tellement imposant. Ouais. Sûrement. Non, mais je peux pas l'affronter, il est bien plus fort que moi. Et j'ai plus de vie, vous êtes. Bon, bah, quand il faut y aller. Capitule. Non, jamais, mais... Visez. Oui, je vise quoi? Vas-y mon grand. Oh là là. Il a une prestance ce Vador. On doit s'enfuir. Oh là là, mais tu fais quoi contre ça, sérieux? Attention. Je sais pas pourquoi je vais par là, mais quelque chose me dit qu'il faut que j'aille par là. Oh, c'est passé. Pourquoi il a lâché ce con? Mais pourquoi il a lâché? Bon, on reprend, mais clairement j'ai pas compris pourquoi il a lâché, hein. Il y avait aucune raison. J'étais accroché au bord. Et il a décidé que non, c'était bon, ça suffisait. Donc je suis fortement déçu par votre comportement. Non, tombe pas ce coup-ci. Voilà. Ce coup-ci il a pas lâché. Ouais.
Dans le doute, je vais par là. Il est où? Bon allez. Ouais, j'ai pas tout compris. C'est con, ça a niqué la scène, cette petite arrêt. Mais c'est pas... Oh mon dieu. J'ai fait un cri très bizarre, mais... Oh là là, mais ce mec. Par contre, j'ai récupéré toutes mes... Non. Je propose qu'on se casse. Je propose qu'on se casse. Mais je suis où? Attendez. Dark Vador, oh là là. Oh, il nous en manque deux, je suis dégoûté. Ah bah tu m'étonnes. Fuyez si vous avez une chance de survivre. Je suis d'accord, je vais fuir. Je vais fuir. Je vais suivre et fuir. Oh là là, il est tellement classe. Je ne fuirai pas devant l'adversité. Il ne connaît pas mes moves. Regardez ça. Yaho. J'ai plus de moves que tu n'en auras jamais. Je l'ai pas eu. Ah si. J'y arriverai. Serré. Je continuerai jusqu'au bout. Est-ce que je peux refaire mon sabre avant de partir? Tiga, tu me reçois? Ils ne répondent pas. Ils vont bien. J'en suis certaine. Chris, je suis là. Ils vont bien. Je me dirige vers la surface. Mais oui, elle va très bien, elle. J'ai trouvé l'holocron. Mais Serré, elle ne reviendra pas à Chris. Putain, le mec! Il est partout! Lâche pas! T'en as une plus grosse que lui! Parfait! Oh non! BD! Mon petit BD! Renonce à l'holocron! Il va encore couper en deux le sabre! Nous verrons! Oh! Aïe aïe aïe! Tellement puissant. Elle est tellement puissante. Vous ne prendrez pas ces enfants. Et quand il se bat tranquille à une main quoi. Oh la vache le mec. À deux peut-être que vous avez une chance. Tant de haine. De tenir un petit peu plus longtemps. Tu aurais fait une excellente inquisitrice. Elle est plus forte que ça. Waouh, il a plié le genou quoi. Oui. La puissance du côté obscur. Serré. Je peux la sentir affluer en elle. Serré. Serré. Hey. Écoutez-moi. Vous avez le choix. C'est pas le moment de flancher, ma grande. Oh là là, mais... Tu fais quoi contre Vador quoi, sérieusement? J'espère que tu as une bonne respiration mon grand. Du moins une bonne apnée. Génial. Hé, petit. Cal, Cal. Siri, t'en fais pas. Elle va bien. Ouais, toi aussi. Tu l'as fait. Oui. On a réussi. Vas-y doucement. Où elles sont? Elles sont là-bas. Oh, une petite minute. Voilà. Ils ont très très bien en tout cas reproduit la puissance de Vador. Désolé. Quoi. On l'a rarement vu aussi puissant. C'était toi dans l'eau, pas vrai? Bah oui. Contente que tu ailles bien. Il ne t'a pas quitté un instant. Merci.
Ça va, t'as tenu le coup, mais c'est bien. Tu n'as pas flanché. Et maintenant ? Eh bien, capitaine, tes services ne sont plus requis. Tu as bien rempli ton contrat. Merci, Chris. Eh ben, si ça te dérange pas, je pensais que je pouvais peut-être rester un peu dans le coin et piloter pour vous. En plus, je risque de manquer au petit. Oh, finalement, c'était quelqu'un de bien, même s'il paraissait complètement fou et schizophrène. On va s'en servir. Pour reformer l'ordre Jedi. Ayant vu la suite de Star Wars, je peux vous dire que ça n'a pas marché. La nouvelle génération de Jedi. L'Empire voudra leur faire la peau, comme il essaie de le faire avec nous. Tous les enfants qui se trouvent sur cette liste verront leur existence bouleversée à jamais. Mais pas par nous. Bien, c'est ce qu'il fallait faire. Leur avenir doit être confié à la Force. Sage décision. Alors, où allons-nous ? Ça reste sur image, on aurait pris une photo. Eh ben ! Je ne sais pas s'il y a une scène post-crédit, mais bien. Eh ben, sage décision, en tout cas pour la fin, sage décision. Eh ben, on a réussi à terminer. Je vous laisserai bien sûr le générique en fond, etc. Et voir s'il y a une scène post-crédit. Mais vraiment bien, 6 fois 1, 2, je signe direct, je prends. Vraiment, c'était un très bon Star Wars. C'est pas juste parce qu'on n'en a pas eu depuis longtemps, etc. Non, le Star Wars était vraiment bien, les musiques... Elles valent autant que ça que pour les films, hein, c'est vraiment, les musiques étaient vraiment superbes, je l'ai dit plusieurs fois, hein. Le scénario il tenait la route et ce Vador, oh là là, tellement puissant, tellement classe, on le voit pas si longtemps, on a juste l'eau à la bouche et puis il nous l'enlève, j'aurais aimé tenter au moins un petit truc contre lui, mais bon, c'est pas grave en tout cas, c'était vraiment sympa. Je sais pas si je ferai une vidéo où je vais continuer à fouiller pour récupérer les coffres et tout, mais parce que c'est beaucoup moins intéressant forcément à regarder, hein, pour vous, de me voir aller à gauche, à droite, récupérer des coffres. Je pense pas que ce soit la folie, hein, à moins que vous me le demandiez en faisant « Thomas, on veut que tu fasses les coffres !» Mais sinon, je vois pas trop l'intérêt de le faire. En tout cas, ouais, vraiment cool, vraiment très cool comme jeu. Hein. Je reste sur la fin, enfin sur la fin, je reste pas sur ma fin, je reste sur la fin qui était vraiment fun. Très rapide, et bon, l'autre, on se doutait qu'elle allait y rester, hein. C'était un peu sûr, hein. Parce que c'était sûr, tout simplement. Elle était très bien. Franchement, au niveau de la méchante, l'inquisitrice, la deuxième sœur, vraiment bien. Mais, on a tué la neuvième et la deuxième. Elles sont où, toutes les autres inquisitrices? Ah. Est-ce que ça annoncerait pas une petite suite? En tout cas, il faudrait une suite. Et je pense que c'est même sûr qu'ils vont nous faire des suites avec ça, hein. Ça a trop bien marché pour qu'ils ne fassent pas de suite. En tout cas, à vous, si ça vous a plu, à toi qui es derrière ton écran, comme la dernière fois, je t'invite à t'abonner à la chaîne afin de voir plus de contenu, à mettre la petite cloche pour ne rien rater. Et puis, on se voit sur un nouveau Let's Play. De toute façon, il y a encore Hellblade, hein, qui est en cours. Il y a Hellblade qui est en cours. Bon, voilà. Bon, en tout cas, je vous laisse. S'il y a une scène post-crédit, bien sûr, je vous la laisse. Profitez de la musique. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.